Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo de cette semaine, c'est une vidéo haul Shein spécial ongles. Et oui, j'avais envie de me faire plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit tour. J'avais un panier qui était pas trop rempli, on va dire. Franchement, en allant sur ce site, c'est un site qui est très addictif parce que quand on y va pour simplement regarder, hein, on a l'intention de regarder et puis finalement, on se retrouve avec un panier énorme. J'ai eu de la chance d'avoir un code promo de moins 20% parce que j'ai pris pour une certaine quantité. Donc du coup, la livraison est gratuite et j'ai eu moins 20%. Donc tout va bien. Mais écoutez, je vous conseille de prendre quelque chose à boire, quelque chose à grignoter. Je vais arrêter de blablater. Je vous laisse avec la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Je vais commencer ce haul par ce lot de serviettes. Donc ce sont des serviettes que l'on met sur la table pour, comme ce que j'ai ici. Ce sont des serviettes, des petits dessous de table qui sont imperméables de ce côté-là et un côté mat. C'est hyper pratique, hyper propre. Et en plus de ça, ce que j'aime bien avec cette couleur-là, noir, je les ai pris en noir parce que quand je fais des vidéos, ça fait hyper bien le focus. Ça clignote pas, c'est canon. Et donc là, j'ai trouvé des paquets où il y en a 125 dedans. Donc j'étais hyper contente. Donc j'ai pris ce gros paquet de 125 protège-table. Ensuite, j'ai pris cette boîte en acrylique. Alors c'est une boîte où il y a 5 étages. Et dans chaque étage, vous avez 24 petits espaces. Et donc je vais ouvrir et je vais vous montrer. Voilà donc ce que ça donne après ouverture. Donc je vous montre, voyez. Et donc là, vous mettez vos strass. Il y a 24 compartiments, il y a 5 étages. Vous faites votre calcul. Et j'en avais déjà un de 5 étages, un de 3 étages. Et puis, j'ai encore de la déco qu'il faut que je range. Du coup, je me suis pris un autre de 5 étages. Ensuite, j'ai commandé des nuanciers. Donc, j'ai pris des nuanciers couleurs comme ça, naturelles. J'aime bien pour exposer mes couleurs. Donc, j'en ai pris 3. Et j'en ai pris un transparent également. Avec, moi j'aime bien les nuanciers en forme amande, en forme ovale. J'ai préféré que les carrés, hein, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est plus joli quand on présente les couleurs. Après, bon, après c'est une histoire de goût, mais voilà. Donc j'ai pris un en transparent et 3 en couleur naturelle. Ensuite, je me suis pris un flacon pompe. Donc... Je m'excuse pour celles qui m'écoutent le soir dans leur lit avec les écouteurs. Hein. C'est vrai que c'est les bruits de plastique, c'est pas très agréable. Donc voilà, je me suis pris ce petit flacon pompe que j'utiliserai sûrement, je le mettrai sûrement dans mon trolley de pied pour quand je fais les reconstructions, par exemple, d'orteils, de gros orteils, et ben pour mettre mon alcool à 70 dedans. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut vraiment utiliser... On n'est pas obligé de le mettre dans un petit contenant pour le tremper. On l'utilise directement ici à la pompe et c'est plus pratique. Alors, je me suis pris également ce petit contenant. Donc, je l'ai ouvert. Hein, donc, j'ai enlevé les petites... Il y avait des protections. Il était beaucoup mieux protégé que ça. Donc, c'est un espèce de contenant. Comme ça fait comme du cristal, en fait, comme un diamant. C'est super joli, je trouve. Et ben justement, par exemple, quand vous faites vos pop-it ou quand vous utilisez de la crigel et qu'il faut... mettre soit de l'alcool à 70 soit un produit spécial pour la crigel à l'intérieur d'un contenant, je trouve que celui-ci est hyper chouette. Ou bien vous pouvez aussi mettre du monomère pour celles qui utilisent l'acrylique, la résine. Je trouve qu'il était joli, donc j'ai craqué et je me le suis pris en rose. J'ai pris également, j'en ai repris des carrés d'aluminium avec le coton intégré pour faire des déposes avec le remover quand on veut retirer soit les capsules Gel X, soit le semi-permanent. Donc j'en ai repris encore un paquet parce que ça, on n'en a jamais assez. Étant donné qu'on a 10 doigts, ça va très vite. Donc à chaque fois que je passe une commande, je reprends un paquet. J'ai pris également ces ciseaux. Alors ce sont des ciseaux à cuticules que j'ai trop hâte de tester. Ils ont l'air bien. Je ne veux pas vous mentir, je ne les ai pas encore testés. Ah, il y a ça, il y a la petite protection, je n'avais pas vu. Alors, il y a la petite protection ici, en caoutchouc. Et hyper pratique.
Bah, écoutez, ils ont l'air bien. Ils sont un peu recourbés à ce niveau-là. Alors, au niveau de savoir si ça coupe ou pas, je n'en sais rien. Je ne les ai pas testés encore. Bah, de toute façon, je vous ferai un retour. Hein. S'ils sont bien, si je vous dis rien, c'est qu'ils sont bien. Sinon, bah, je vous dirai qu'ils sont nuls. Mais en tout cas, ils sont hyper jolis, hyper sympas. Et j'avais besoin d'une paire pour les pieds. Du coup, bah, voilà, c'est chose faite. Ensuite, je me suis prise également des capsules. Pardon, ce sont des capsules, des demi-capsules. Ce sont des demi-capsules pour faire des extensions. Alors, ils les vendent dans des sachets comme ça, mais à ma grande surprise, bon, je l'ai vu après, j'ai vu qu'ils vendaient des boîtes pour capsules, des boîtes de différentes couleurs. Alors, il y avait du noir, du fuchsia, du gris clair et du blanc. Et du coup, je les ai mis dans mon panier pour ma prochaine commande Shein et bah, je les mettrai dedans. Donc, ce sont comme ça de demi-capsules pour faire des extensions. Alors, j'en avais pris, j'en avais les mêmes formes en plus longues d'une autre marque. Et là, je les ai trouvées en plus courtes. Donc, je les trouve super belles, super bien, pardon. Et donc, voilà, super pratique. Elles étaient en plus pas chères. Vous avez de la taille 0 à la taille 9. Voilà. Donc, comme ça, au moins, vous le savez. On va passer maintenant au pinceau. Donc, j'ai commandé ce lot de pinceaux, de 5 pinceaux avec différentes tailles. Et à ma grande surprise, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un haul de chez Ongle 24 et j'avais commandé le même lot, mais en noir. Mais autrement, les pinceaux sont les mêmes et j'avais payé 15 € et quelques sur Ongle 24 et sur Shein 4,50 €. Donc, inutile de vous dire que j'avais quand même les boules. Hein. Donc, je vous montre. Alors là, vous avez écrit liner brush avec le millimètre ici, donc vous avez les millimètres écrits sur tous les pinceaux, et ce sont des pinceaux qui se présentent comme ceci. Donc j'ai vachement aimé ici comment c'est fait, et regardez, je vous montre à côté celui de chez Ongle 24, donc c'est exactement le même, et il est même moins bien parce que du coup sur celui d'Ongle 24 il n'y a rien d'écrit, alors que là vous avez le millimètre qui est écrit sur ce Shein. Et autrement, ici c'est pareil, ici c'est pareil, c'est la même chose. Au niveau de la bague ici, c'est exactement pareil. Et quand vous voyez celui de Shein et celui de Ongle 24, alors Ongle 24, il y a le petit truc qui protège, mais enfin ça, on a envie de dire, on s'en fiche un peu. Mais autrement, c'est exactement fait pareil. Vous voyez, c'est exactement le même principe, sauf que celui de Shein, il a 4,50 € le lot de 5 pinceaux, et Ongle 24, 15 € et quelques. Donc, franchement, j'avais quand même... j'avais des boules quand même. Voilà, donc je vous les montre. Ils sont superbes. Ils ont l'air très, très bien. En tout cas, moi, j'ai déjà testé ceux d'Ongle 24. Ils sont bien, donc je pense que ceux-là, ça doit être la même chose. Mais voilà, si vous cherchez des pinceaux, comme dans cet esprit-là, bah, n'hésitez pas à commander ceux de chez Shein. Ensuite, j'ai commandé des demi-capsules extensions. Ce sont des capsules qui sont clear. Il y a 12 tailles et elles sont extra longues. J'avais trop envie de les tester. Et du coup, je vous montre comment elles se présentent. Donc, elles sont dans une boîte en plastique. Et vous pouvez, l'avantage, c'est que vous pouvez les coller avec de la rubber base, tout simplement. Donc, elles se présentent comme ceci. Donc, elles sont hyper longues. Elles sont clear. On peut voir la taille au niveau du bord libre. Vous avez la taille de chaque capsule. Vous avez une petite encoche. Et du coup, voilà, elles sont XXXXL. Donc, j'ai trop hâte de les tester parce que j'adore cette longueur. Et donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, elles se vendent sur le site Shein. Et vous avez 12 tailles, elles sont clear et vous avez 240 pièces. J'ai commandé également les fameux pads en silicone pour mettre à l'intérieur des pop-its. Donc ça, on les a beaucoup vus sur les réseaux. Et j'avais trop hâte de les tester parce qu'avant, moi, j'ai déjà fait des French Reverse avec les pop-its. Mais moi, je n'utilisais pas ça. Je prenais des mesures, je mettais des repères avec du feutre sur le pop-it. Enfin, je m'arrangeais comme je pouvais pour les faire. Mais j'ai trop hâte de tester avec ça pour voir ce que ça donne. Alors, il paraît qu'il y a deux styles de pads. Il y en a en silicone que vous pouvez réutiliser, puis d'autres qui se collent,
qu'on ne peut pas réutiliser. Alors, pour être tranquille, j'en ai commandé 4 pour être sûr voilà, d'en avoir assez. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est une plaquette comme ça où vous avez des tailles sur chaque pad, pardon. Et en principe, les tailles correspondent aux tailles de pop-it. Donc, c'est hyper pratique. Alors, comment ça se présente? En fait, on soulève ici. Ah oui. Alors, à mon avis, c'est ce qu'on colle. Donc, ceux-là, je ne pense pas qu'ils soient réutilisables. Voilà. Ils ne sont pas réutilisables, hein, à mon avis. Hein, parce que vous en avez qui sont en silicone, mais pas autocollants. Et ceux-là, ils sont autocollants. Donc, à mon avis, ils ne sont pas réutilisables. Donc, j'ai bien fait de prendre 4 paquets. Mais bon, voilà. Si vous en cherchez, vous les trouverez sur Shein. Ils n'étaient pas excessifs au niveau prix. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va passer maintenant à tout ce qui est décoration. Alors, préparez-vous parce qu'il y en a pas mal. Alors, j'ai commandé ces stickers avec en forme d'œil. Parce que ça, on m'en a déjà demandé. Bon, je sais le faire, hein, en élartin. Hein. Mais c'est vrai que des fois, quand on est pressé, c'est pratique. Et j'ai pris également ces stickers. Alors, c'est des espèces de fleurs, mais comme avec des reliefs. C'est super joli en élart. Je les ai vus en photo. C'est pour ça que je les ai commandés, parce que j'ai craqué. Et ça fait vraiment genre un peu aquarelle avec les bordures bien dessinées. C'est super joli. Donc voilà, j'ai pris ça en stickers. J'ai pris ces boîtes de nacre. Donc j'ai pris des bleus, j'en ai pris des un peu vert, gris et des roses. Couleur rose comme ça. Bon, j'en avais déjà, mais bon, ça c'est toujours bien d'en avoir parce que j'aime bien les mettre en incrustation, surtout quand je fais des French reverse. J'ai pris cette boîte avec des gros strass. Alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas trop gros même. Vous voyez. Donc, ce sont des gros strass comme ceci. Donc, il y a différentes couleurs. Il y en a des transparents. Il y en a des un peu couleur un peu beige. Il y en a un peu aurora. Enfin, il y en a des sympas. Donc, c'est vrai que ça, pour faire des grosses décos, ça peut être sympa. J'ai pris ce sachet avec, pareil, des gros strass pour des grosses décos. J'ai pris également ça. Alors ça, c'est génial parce que ce sont des demi-papillons. Alors, j'ai oublié de vous dire que toutes les décos étaient enveloppées, hein, dans des cellophanes que j'ai retirées. Alors, il y en a certains qui sont passés à la trappe, comme celui-là, mais autrement, je les ai retirés en général. Et donc, ils m'ont mis, des patchs en silicone pour coller les capsules américaines, pour les press on nails sûrement. Et là, en fait, ce sont des strass. Des demi-strass, et quand vous les collez, ça fait comme un papillon. Vous voyez, en fait, ce sont comme des demi-papillons que vous collez côte à côte, et ça vous fait un papillon. C'est super joli, donc j'ai pris ça. J'ai pris également ces espèces de feuilles, comme ça en strass, des feuilles d'érable. Je trouvais ça rigolo, donc j'ai pris un paquet. J'ai pris également ces serpents. Donc, hyper fin, en couleur argentée, très beau. J'ai pris également cette boîte de serpents. Alors là, il y a différentes couleurs. Il y en a en or jaune, or rose gold, en argenté, avec des strass aussi. Donc voilà, j'ai pris cette boîte qui est assez complète. J'en avais pas des serpents comme ça, je trouve ça hyper beau. Mais c'est surtout quand on fait des grandes longueurs, hein, parce que comme ils sont quand même assez volumineux, assez longs. J'ai pris également ces papillons verts, comme ça. J'en avais déjà des parmes. Et là, j'ai voulu reprendre des verts. Alors, il me semble, je ne sais pas s'ils bougent, ceux-là, je vais voir. Ah non, ils ne bougent pas. Non, non, non. Non, non, ils ne bougent pas. Mais ils sont super beaux. J'aime beaucoup. J'ai pris également ce petit lot avec des bonbons, des gâteaux. Enfin, c'est des choses un peu rigolotes. Pour faire des poses ben, rigolotes, hein. Mais ça c'est plus de l'artistique, hein. Parce que je ne verrai pas une cliente mettre une grande sucette comme ça, c'est surtout sur moi que je testerai. J'ai pris également des petits cœurs comme ceci, qui sont hyper mignons, un peu irisés, de différentes couleurs. J'ai pris également, alors ce sont des petites bulles translucides, alors vous avez différentes couleurs, voyez. Elles sont super jolies.
Ça, je vois bien ça pour l'été, printemps-été, super beau. Alors là, par contre, ça, je ne sais pas si c'est pas une bêtise que j'ai fait, mais je ne les voyais pas aussi grosses que ça. Ce sont des Hello Kitty, mais en diamant. Vous voyez? Mais c'est quand même big. Mais je pense que ça peut le faire. Attendez, je vais voir. Je pense que ça peut le faire sur une pose artistique. Vous voyez? Ouais, ça fait un peu big quand même sur le doigt, mais bon. Au début, je l'ai prise et je me suis dit pourquoi pas tester, surtout que moi, des fois, je fais du long. Donc là, ils l'ont mis sur un... Ouais, ça fait un peu gros quand même. Bon, là je pense que j'ai fait une bêtise. Bon, je verrai où c'est que je les mettrai, mais en tout cas, j'avais trouvé ça super mimi. J'ai pris ces décos, ce sont des cœurs super beaux. Alors, je vous montre. Vous voyez, de différentes couleurs. Ce sont des petits cœurs comme ça. Des cœurs comme irisés, mais c'est super joli. Vous avez différentes couleurs. Il y a du rose. Il y a quoi d'autre? On va voir ça ensemble. Il y a du blanc, du rose. Ah, du blanc et du rose, en fait. Ouais. Il y a du blanc et du rose, tout simplement. Mais c'est super joli, je trouve. J'ai pris également ces petites décos. Donc, très, très mignonnes. Vous avez des petits lapins, des petits ours, des empreintes de pattes d'ours. J'ai trouvé ça trop, trop mignon. J'ai craqué. Donc, voilà, je les ai pris également. Et pour terminer, j'ai pris cette paire de claquettes que j'avais déjà pris en noir dans un haul précédent. Et j'ai tellement adoré le confort parce qu'elles sont hyper souples. Je les avais pris en noir et elles étaient hyper souples. Du coup... j'ai craqué, j'ai pris en fuchsia et j'ai pris une paire en noir pour mon mari parce que comme il aime bien aller au hammam, et ben du coup il les utilise pour aller au hammam, il dit qu'il est super à l'aise dedans. Et donc voilà, je les ai prises en fuchsia. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens des produits que je vous ai montrés en vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos. Alors, je ne pourrai sûrement pas vous mettre tous les liens. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la barre d'infos, nous sommes limités à 5000 caractères. Étant donné que les liens de chez Chine, même en les diminuant au maximum, ils sont hyper longs. Du coup, forcément que je ne pourrai pas tout vous mettre. Donc, n'hésitez surtout pas en commentaire si il y a un lien que vous ne trouvez pas. Sur le site, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et moi, au cas par cas, je vous donnerai les liens. Voilà, il y a que je ne peux pas faire autrement, je suis vraiment désolée, hein, c'est pas de ma faute. Donc voilà, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, prenez soin de vous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.